le candidat issu de la primaire de la gauche et des écologistes, Benoît Hamon, dont on a beaucoup parlé sur le revenu universel, mais aussi sur un virage environnemental conséquent. Vous avez 10 minutes pour nous le présenter. Merci, je fais aussi ma première sortie, puisque la nomination était officielle en Conseil des ministres ce matin, comme président de l'Agence française pour la biodiversité, qui est une grande agence née de la loi pour la biodiversité. Je suis très heureux que ma première sortie, finalement, soit pour vous. Je voudrais remercier, bien sûr, la FNAB, Synabio et COP de France dans sa commission bio pour ce moment d'échange avec les candidats ou leurs représentants. J'ai rejoint Benoît Hamon, précisément, sur le fait qu'il avait déclaré qu'on ne pouvait plus être socialiste sans être en même temps écologiste, et qu'il a placé la transition écologique au cœur, je dirais même au premier rang de ses préoccupations. Et c'est une des raisons qui m'a fait nourrir son programme, ses propositions, et qu'il m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Les chiffres que vous avez montrés montrent que l'agriculture bio est prospère. Il y a peu de productions qui ont une progression à deux chiffres en matière agricole. Cette prospérité, elle vient bien évidemment de l'intention croissante des consommateurs de se tourner vers les produits issus de l'agriculture biologique, mais elle repose aussi, à mes yeux, sur une valeur particulière qui s'appelle la confiance. Confiance dans le processus de production qui préserve les écosystèmes, confiance des citoyens dans le rapport à la terre qui est induit par l'agriculture biologique, confiance dans l'impact sanitaire positif et ce qui induit effectivement la réduction puis la disparition des pesticides, et puis un impact social, c'est-à-dire la vie quotidienne des gens qui travaillent sur leurs exploitations. Ces bons chiffres, dont je me réjouis, ne doivent pas faire en sorte que nous devenions spectateurs passifs, car il existe une fragilité et des inquiétudes. Et je voudrais revenir un moment sur ces dangers. Ces dangers qui peuvent guetter l'agriculture biologique, ce sont les conditions sociales et territoriales. Il ne faut pas que l'agriculture biologique soit appuyée sur des territoires lointains avec des gens qui travailleraient dans des conditions de précarité ou dégradantes. Ça, c'est quelque chose d'important. Une autre inquiétude, c'est qu'elle soit victime de son succès et que des grands ensembles économiques veuillent s'accaparer, en quelque sorte, ce marché en appliquant des règles qui sont celles traditionnelles et de l'agriculture conventionnelle avec du productivisme, du consumérisme. Et donc, s'il faut bien un débouché économique et des filières économiques, il faut faire attention que, bien évidemment, les critères fondamentaux de l'agriculture biologique soient maintenus. Et puis aussi des dangers, des inquiétudes par rapport aux évolutions de la réglementation de l'Union européenne, et notamment le règlement cadre CE 834-2007. Ça n'est pas une simple refonte ou un toilettage, c'est un changement de règle, c'est un changement de règle. Et je n'ai pas besoin d'insister pour vous dire que une analyse des risques simple, c'est pas pareil qu'un contrôle physique annuel sur les exploitations. Que le débat qui s'est instauré pour savoir s'il doit y avoir un seuil strict de résidus de pesticides dans les productions bio, ça n'est pas un débat anodin. Et quand ni la Commission, ni le Conseil, ni le Parlement ne proposent un fonds d'indemnisation, par exemple sur une taxe sur les produits sanitaires, ça devient effectivement une inquiétude. Idem, je pourrais en parler pour les fermes mixtes qui sont proposées par le Conseil et le Parlement. Au-delà d'ailleurs du risque de cohabitation, de contamination, il peut y avoir une tentation, en cas de ferme mixte, au sein d'une même exploitation, de séparer les bonnes terres des moins bonnes, les bonnes terres restant conventionnelles et les moins bonnes devenant converties avec des aides à la conversion. Donc ces choses-là, il faut les regarder. Il y aura toujours un débat, et il y a toujours un débat entre ceux qui pensent que la conversion bio, c'est un itinéraire technique, c'est un aspect de diversification de l'agriculture, et puis ceux qui, comme moi, pensent que c'est une philosophie qui est en lien avec la transition écologique et le mode de production. J'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait que ça reste une utopie. C'est bien parce que je représente un candidat dont on reproche souvent que les projets soient utopiques. Mais
même entendu par là, la bio, elle doit se développer. Elle doit effectivement se développer. Benoît Hamon, ses convictions, sa démarche, ses propositions, elles se sont largement inspirées du département que je préside, le Gers. Et parfois les mots sont moins bien que les faits. Les faits, ils éclairent les intentions. L'agence bio, en 2016, avait indiqué que sur plusieurs critères, le département du Gers était devenu le premier département pour l'agriculture bio. La SAU est à 14%, notre objectif est à 20%, bien sûr, dans les quelques années qui viennent, contre un peu moins de 6 en France. Nous sommes le premier département pour les surfaces converties en bio, et nous sommes le premier en nombre d'exploitations, puisque nous avons plus de 1000 fermes bio. Sur les conversions, je voudrais dire un mot par rapport à ce qui a été dit. Oui, c'est vrai qu'il manque de l'argent un peu partout. C'est vrai qu'il faudrait, au-delà des 160 milliards, il faut beaucoup plus pour la conversion, mais... Attention, parce que parfois, dans certaines régions, des chambres d'agriculture ont refusé, au moment où on pouvait le faire, le plafonnement. En 2014, dans la région Occitanie, les chambres d'agriculture ont refusé le plafonnement, disant que c'était pas la peine, il n'y aurait pas de problème. Total, il y a eu une explosion des surfaces, et aujourd'hui, on a des gens qui sont pénalisés parce qu'on a refusé ce plafonnement. Donc ça, il faut l'avoir en tête. J'ajoute une chose, pardon. Et quand on a une conversion avec un jeune d'une trentaine d'années qui s'engage dans l'agriculture biologique, j'y crois beaucoup. Quand on a quelqu'un qui a un peu plus d'une soixantaine d'années, à qui reste 5 ans et converti pendant 5 ans ses terres pour avoir des aides sans qu'on soit sûr qu'après elles resteront bio, c'est quelque chose qui, du point de vue de l'argent public, me pose un problème particulier. Le déclic dans le Gers, ça a été dit, c'est la lutte contre les expérimentations en plein champ d'OGM. Le Gers était devenu le terrain de jeu des grands semenciers, et nous avons voulu y mettre un terme. S'agissant de Benoît Hamon, il a effectivement inscrit la transition écologique au cœur du chemin qu'il propose. J'ai entendu parfois que certains candidats voulaient vers la transition écologique par responsabilité, lui c'est par conviction. Comme la philosophe et sociologue Dominique Méda, il pense que la reconversion écologique est une solution aux mutations de l'emploi et du travail bien plus sûre que la croissance. Et il a des décisions qu'il veut prendre. Interdiction immédiate des pesticides dangereux et perturbateurs endocriniens. C'est le seul dans notre primaire à avoir parlé de ce problème des perturbateurs endocriniens. Application du principe de précaution, de façon à retirer l'autorisation des pesticides dangereux, avec les avis de l'OMS, de l'ANSES, mais interdiction d'importation de denrées alimentaires utilisant des substances qui seraient interdites en France. Programme d'investissement et de soutien aux projets de développement agroécologique et faciliter l'installation des jeunes agriculteurs en bio et en conversion. Une PAC verte, parce qu'effectivement il faut, comme l'a dit Jean-Marie Cottard, plus d'argent pour cela dans la PAC, avec un financement pour les agriculteurs qui adoptent le modèle bio. Une priorité aussi à l'attribution du foncier agricole. Il faut de nouveaux critères pour que le foncier agricole puissent bénéficier en priorité à des jeunes qui s'installent en bio. Il y a 40% de départ à la retraite d'ici 2020 dans l'agriculture, il faut profiter de ce moment. Autre avantage de la bio, le mettre sur place ou le mettre pas loin. Ça c'est effectivement important, 76% consommation française, il faut faciliter la relocalisation pour les emplois, pour les territoires. Et si nous avons l'ambition que la France devienne le leader européen, c'est l'ambition que nous portons, et bien, il faut ouvrir de nouveaux marchés. Je n'ai pas besoin de reparler des collèges. Dans le département du Gers, 9 collèges sont à 100% bio et tous les autres sont à 50%. Et il faut d'autres marchés, je pense notamment au marché sanitaire, les maisons de retraite, les EHPAD, les hôpitaux. C'est le grand levier demain pour l'agriculture et les producteurs bio. Enfin, la bio, c'est de l'autonomie alimentaire. Favoriser et développer les cultures maraîchères autour des villes. Soutien aux associations, circuits courts, AMAP. Des ceintures vertes autour des villes métropoles, ça évitera la pollution du transport. Et puis, encore faut-il pour cela que, bien sûr, les régions continuent d'aider les AMAP et les FRAB, et ne baissent pas, comme c'est le cas depuis des belles années dans certaines régions, de 35% leurs aides, ou substituent à des gens qui étaient des militants de l'agriculture bio, des gens qui étaient des défenseurs des OGM dans des grandes coopératives. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Dernière chose, l'implication des acteurs de la filière dans la gouvernance. Quand j'ai été ministre de l'écologie, ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai été, j'ai animé le DNTE, le débat national sur la transition énergétique, qui a donné lieu et ouvert la voie à la loi de transition énergétique. Eh bien, je pense qu'il faut un DNTAA. Il faut un débat
national de transition vers l'agriculture et l'alimentation durable. Et c'est la proposition que nous faisons, avoir un DNTAA qui donnera lieu ensuite à une loi. Voilà, mesdames et messieurs, quelques minutes, j'espère que j'ai tenu à peu près les délais. La vision, les propositions qu'avec Benoît Hamon nous allons défendre. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait que l'agriculture bio se développe avec l'amont. Je ne savais pas comment ça s'écrivait, mais je l'ai pris pour le candidat que je défends. Je ne vais pas aller trop loin, parce que sinon il y en a qui diront que ça se développe aussi avec l'aval, et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus. Donc voilà, je voudrais en terminer par là. Je suis heureux d'ailleurs de vous remettre le pacte pour l'agriculture et l'alimentation durable qu'a signé ce matin Benoît Hamon et que je suis heureux de voir. Merci beaucoup.